L'affaire avait fait grand bruit. À l'époque, le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, père de famille de 59 ans, chauffeur de bus, était battu à mort en plein service par deux hommes. Ces derniers seront finalement jugés devant une cour criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une requalification qui permet aux deux principaux suspects d'éviter la cour d'assises pour meurtre aggravé et d'échapper de fait à la perpétuité. Alexandre Novion, avocat de la famille de la victime, est indigné de cette décision. Ces auteurs sont débarrassés de la problématique, sont en quelque sorte immunisés contre la nécessité de se justifier de leurs intentions. Alors même, si vous voulez, que vous avez des témoins qui ont entendu les agresseurs dire « on va le finir ». S'il y a une affaire, si vous voulez, qui justifie une cour d'assises classique avec la participation d'un jury populaire, c'est bien une affaire dans laquelle chacun se sent touché. Au vu de tout ce que l'affaire nous a appris, il n'y a pas de raison qu'ils obtiennent une sorte d'atténuation d'emblée dans l'antichambre du procès. Et ne manquez pas, dans une heure maintenant, à 7h40, le témoignage de la veuve de Philippe Monguillot, Véronique Monguillot. Elle sera en direct sur RMC.